Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xel'Ujieni. On a une cote de 4367, pardon. Et on joue contre Upper et Kaeni. Let's go. Ah, ça risque de tabasser en face, pas mal. Ok, triple prix tech. Ok, bon, assez classique. Il faut que j'essaye de. Alors, impatience du Wabbit sur l'Upper. Impatience du Wabbit sur l'ennemi, apparemment, c'est bizarre ça. Déclencher. Alors c'est peut-être les miens qui sont affichés sur l'ennemi. C'est un peu bizarre là. Je crois qu'en fait c'est les miens d'impatience du Wabbit que je vois sur les autres en effet. C'est assez surprenant. Alors, premier tour du Xel, il faut que je joue vite. Tac tac. Le contre. Le flou. La fuite. Hop. Ok. Alors j'avais dit que mon. On m'a dit dans les commentaires récemment que si je tapais mon allié, je ne lui désactivais pas le bonus de l'ivoire et du. De l'ocre et du vulbis. Que c'était que les dégâts ennemis qu'il désactivait. Alors ça va être intéressant à check. Bon, l'ennemi, ok. 131 d'esquive PA sur l'upper. Enfin des gens qui mettent un peu d'esquive quand ils jouent contre un Ixel. Et non! C'est le 26 esquives sur les K-flips. C'est. Bon, l'upper en a en tout cas. Intéressant. Alors on va faire Molosse. Flamiche. On va lui faire un aboiement. Et une poursuite. Ok. Et sur le. Ouais. Il faut que je prenne l'habitude sur le T1 en fait d'avoir mes tours qui sont bien calés. Et d'être assez réactif pour lire un petit peu les effets. Bon, a priori il y a juste du triple prix tech, il n'y a pas l'air d'avoir de scintillant ou d'item légendaire en face. Mais il faut vraiment que je prenne l'habitude d'être très réactif sur le check pour bien me comprendre les enjeux du combat et ne pas rater quoi que ce soit. On va faire un lapin. Un galva. Hop. Je suis toujours embêté là. Mais bon, je vais PM le Xel quand même. C'est pas forcément ce que je voudrais. J'aurais bien aimé avoir un PA de plus pour une maîtrise d'armes. Merci pour les sub gifts, Ziki les mini. Merci à toi. Alors l'upper qui vient piège élémentaire. Rush tectonique. Qu'est-ce que c'est comme mode? C'est peut-être du Dopu? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ok, non, bah c'est tout. Bah écoutez, pourquoi pas? On va venir poser. Bon, je peux avancer là ou commencer? Du coup, il faut pas que je me fail sur mon placement. C'était ça que je voulais. Ah non, mais ça m'a perturbé. Ça m'a total perturbé. On essaie de faire les tours en entier, évidemment. Hop, et je vais venir me caler ici. Écoutez les amis, je crois que ça c'était un joli T2 de Xel qui passe en entier malgré les pièges un peu chelous qui m'ont perturbé mon déplacement. Du coup, ça m'a fait un peu bégayer sur le placement de la synchro. J'ai perdu quelques secondes, mais j'arrive à finir quand même avec les animations de sort. Donc, ça fait plaisir. Lenny, ralliement, Kawott. C'est un peu bizarre son placement de Kawott ici parce que ça lui bloque sa mobilité. Il aurait pu l'anticiper un peu. Là, il se retrouve un peu embêté. Ok, il tape la synchro. C'est pas bête. Il peut pas faire grand chose de plus, donc il optit son tour. Effectivement, ça m'évitera de placer un gros burst. On va voir si le prix tech sauve son Eka Flip. Alors on va venir mettre ça comme ça, je vais me mettre ici. Je vais full héros. Je vais me transformer pour full taper. Hop. Ok, les dégâts sont placés, l'érosion est placée. Avec Lugie, je vais. Il joue comment après? Moi je vais me mettre là.
Je vais essayer de pas non plus lui donner trop de zones. Parce que les écaflis, ça peut mettre des gros dégâts en zone, ça peut faire très très mal. Bon, 2600 PV, l'écaflip, il a deux ébènes, il se fait un contre-coup. Il a pris un peu de retrait PA, mais pas trop. Hein. J'ai choisi de plutôt mettre ma pétrification sur le Xalor. Ok, ça tape très très fort terre. Et ça m'érode. Je vais venir tout de suite. C'est un peu relou, son truc, je sais même pas trop ce que ça fait. On va faire un Jouvence pour débuff l'héros, évidemment. Bon, je vais me faire ma maîtrise. J'ai 5, je peux faire alternatif. En vrai, je vais faire double alternatif même. Attendez, je vais mettre mon coup de corrompu. Là, je vais faire alternatif et comme ça, je me garde un petit boost PM sur logis qui pourra me servir. Comme je suis transformé. Bon, les cas flip 2367. Vous voyez les prix, ces prix tech en face, ça change pas grand chose. Hein. Bon, il serait peut-être beaucoup plus en difficulté s'il les avait pas. Mais il prend tellement d'héros que je passe à travers. Pareil pour le contre-coup, ça m'a pas du tout gêné. Donc voilà, pour tous ceux qui disent c'est méta full pre-tech, Grifox prend des pre-tech, t'es obligé de jouer avec des pre-tech. Mon style de jeu me permet de jouer sans pre-tech et je m'en sors très bien. Après, bon, pour l'instant, hein, mais on verra si au bout d'un moment je suis en difficulté. Hein, je suis encore en train de redécouvrir un petit peu. Ok, par contre, le peur, il a l'air de faire très très mal. Ça m'a l'air de faire des dingueries. Il m'érode. Continue à jouer full héros. C'est intéressant, j'aurais bien aimé en vrai venir faire tac tac. J'aimerais bien le ramener. On est d'accord qu'il me tacle pas? Ouais. Hop. Tac tac. Et un petit sablier, ok. J'aurais bien aimé le ramener dans la zone du cadran éventuellement, mais bon, c'est quand même correct. J'ai hésité en fait à aller ici et à faire une frappe de Xel, mais bon, voilà, mon Nogi il a des PM, je vais pas trop être embêté. Et surtout, ça m'évite que Lenny ait la ligne de vue pour. Enfin, pas la ligne de vue, mais la ligne tout simplement, en fait, pour lui enlever l'érosion. Alors que là, il prend tarif. Ah, il y a le lapin là, j'avais pas vu le lapin, merde. Heureusement que j'ai 1 milliard de PM, je suis un tofu. Écoutez, let's go. Let's go. Je réfléchis à comment bien optimiser mon tour de Rox. Je vais y aller comme ça. Là, je pense que le kill passe largement avec les ébènes. Ok, ça passe. Alors, niveau érosion, mon Nogi est toujours héros. Donc, on va continuer à débuff tranquillement. Jouvence, du coup, je restimule. On peut même venir chercher les petits sélectifs pour sécuriser, soigner les invoques aussi, j'ai pas envie de perdre mon lapin. Donc let's go. Hop. Bon, l'upper il a l'air de faire très très mal, mais bon il a pas pu poser énormément de dégâts non plus. Je vais essayer de pas lui donner trop de zone. Hop. Faudra que je lise bien les sorts de l'upper parce que je vous avouerai que je suis un peu dans le flou par rapport à ce qu'il fait exactement sur ces pièges élémentaires là. J'ai l'impression qu'il a l'air d'avoir un poison. Stalactite. Ok. Il doit être en œil attentif hein, pour avoir des esquives PA comme les siennes. Il me vole des caracs. Bon, l'ogis prend un peu cher quand même, mais ça va, c'est tankable. Pour l'instant, c'est tankable. On va faire tac. Paradoxe, comme ça je lui mets un téléfrag. Et ça c'est pas mal. Je casse l'ivoire, je place l'ébène. Pétrif. Et en vrai. Je vais venir lui mettre mon enfin me prendre ma charge d'ébène cac. Et je lui mets un rouage. Petit dégât tranquillement. Ok. Ça me permet de replacer aussi mon cadran, mon boost PA. Par contre, mon Nogi n'était pas téléfrag, ça c'est un peu dommage. Ok, déroutant. Mode silence. Je me prends un petit moins 3, c'est encore acceptable. Bon, bah, il faut que j'aie Rod au taquet, hein. Là j'ai vraiment pas le choix.
Hop, parce qu'avec les nids, je ne tuerai jamais personne sinon. Tac. Je me posais la question. Allez, je vais quand même prendre ma charge d'ébène distance, hein, ça me fera ça pour le tour d'après. Je vais venir ici, en plus je le tacle. J'ai repris. Il m'a remis de l'héros, on est d'accord. Hein. Ah non, même pas. Bah écoutez, j'ai même pas besoin spécialement de m'en préoccuper. Je vais restimuler mon Xel. Moi, j'ai un joli coup de corrompu à lui mettre. Hop. Faut venir chercher ça comme ça. J'ai presque envie de me préve, mais. Ouais, je pense que c'est fine. Il n'y a pas besoin non plus de se tracasser. Ah, je perds le lapin. Il a passé son tour, d'accord. Je crois pas qu'il soit déco. Il va où son ennemi? Il va là. Ouais. Hop, je lui casse l'ébène. Enfin le l'ivoire, je prends mon ébène. Hop, hop. Bon, en plus c'est bien, ils sont sympas, ils sont pas cancer, ils font pas durer. GG à vous. Et écoutez là, vraiment, en fait ce qui m'a permis de gagner avec autant de facilité, c'est que le. Ils ont mis une cavotte qui les a bloqués. L'initiative, pour une fois, était plutôt bonne pour moi. Et en fait, Lenny, il a été outpost tout le combat. Il a pas du tout pu jouer comme il voulait. Il était complètement à la masse. Donc, ça, bah, ça régale, hein. Hop. On va full taper, hein. Il n'y a pas besoin de faire durer. Je place mon ébène. Ok. Bon bah plutôt smooth hein, tout ça j'ai envie de dire. Y a plus d'ivoire. Hop. C'est un petit bon jeu, bon ils ont été sympas, c'est cool. Et voilà, premier colis de la journée les amis. Bon c'était sympa, on a vu un peu du gameplay upper. Les KTR avaient l'air violents, heureusement que je les full râle et qu'il a pas pu jouer beaucoup, sinon je pense que j'aurais pu me faire éroder vraiment très vite. Et le gameplay avait l'air intéressant. Je prendrai le temps de lire un peu les variantes parce que je ne connais pas trop. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.